Il dira aussi, parce que sur le site de Warman, là, il n'y a pas d'insulte. Quand tu coches quelqu'un, il te met directement, il te banque quoi. Donc tu n'as pas à coche. Warman, tu nous as dit quoi là? Qu'on te parle aussi des gars. Ok. Moi, j'ai vu ta vidéo, je me suis dit que comme j'aime d'abord les way comme ça là, donc je ne peux pas passer sur ça. Même si on dit que Flore là, elle aime trop se la faire voir, elle aime trop, comme les camés aiment juger, non. Bon, même si on me coche, que j'aime trop bavarder, au moins je parle de moi, je ne parle pas des autres. La différence entre moi et certains, c'est que je ne parle pas des autres, je fais mon propre Congo ça, donc je parle de moi-même. Voilà, donc je préfère parler de moi que de parler des autres. Bon, je vais mettre mes lunettes, hein. C'est pas parce que je vais jouer la star, c'est juste que depuis là qu'on m'a tapé là, mon œil là, c'est toujours gonflé, non? Donc, tout le temps, je suis obligée de mettre les lunettes et tout, pour cacher ça. Voilà, les bics du Parlement là, les petits, les péricas du Parlement là, c'est votre bic rincé qui vous parle là maintenant. Parce que j'ai vu certaines personnes qui voulaient un peu me coche, mélanger les choses. Maintenant, je suis au Parlement, c'est mon secteur, bon. Pour commencer, je voulais dire merci à tous ceux qui sont au Canada, les Américains là et tout. Merci à vous d'avoir intervenu hein, pour le divers du Parlement. Si franchement, félicitations à vous. Hein. Vous là-bas aux États-Unis, vous avez du cran, quoi. Vous avez du courage. C'est pas comme les Mbengis qui sont seulement là, enfin les gens qui sont ici là en Europe là. Eux, ils aiment seulement acheter la carte, le bara ou bien les licas mobiles pour téléphoner au pays pour faire les commérages, quoi. Voyez? Vous, au moins, vous dites la vérité. Moi, je voulais tout parler. Je voulais parler en rapport à quelque chose parce que le grand frère Warman a dit une fois, il a parlé à une fille camerounaise. Angala se m'a regardé comme ça, de pied à la tête et tout. Grand frère, Langata parlait comme ça. Hein. Tu ne sais pas le coup qu'elle a eu. C'est parce que c'est une gars peut-être qui est encore sous le choc. Parce que les gars ici en Europe, ils aiment se foutre la gueule des filles. Franchement, nous, les filles camerounaises, hein, qui sont ici en Beng, c'est comme si on n'a pas la chance aussi de tomber derrière un gars qui te comprend, qui te soutient sincèrement quoi. Moi j'ai des copines qui quittent, elles vont rester au pays. Elles disent que ah, elle va trouver aussi l'âme sœur là-bas. Parce que j'ai quand même l'impression que les filles qui sont au pays, elles ont plus la chance d'avoir les gars que nous. Franchement, si vous voyez, nous on échoue entre les mains des whites. Hein. C'est pas parce qu'on veut trop être avec les whites. Chacun est bien avec sa sœur, chacun est bien avec son frère. Quand il dit son frère, il dit qu'on est entre nous, les Africains, nous sommes bien entre nous parce qu'on se comprend. Les watts que vous voyez là, le mariage entre un couple mixé, c'est très très difficile parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Vous voyez, entre nous les Africains, quand tu entres chez un Africain, tu peux aller directement au frigo, hein, te servir, tu peux boire, on ne te vient pas te servir sur la table et tout. Mais tu vas entrer chez une gars qu'elle est mariée avec un white, tu ne peux pas aller à la cuisine, peut-être faire ta cuisse de poulet pour chop. Tout ça, on va dire que la gars est mauvaise ou bien. Et pourtant, c'est qu'elle ne peut pas, elle ne peut plus fonctionner comme ça parce que les watts ont leur façon de fonctionner. Nous ici en Bénin, franchement, pour le divers des gars là, moi je suis bien placée pour parler parce que moi-même j'ai déjà eu les chocs avec les gars ici dehors, les gars noirs, les gars du Co, les gars camé. Bon, ils voient une fille comme toi, toi tu es là, bien sûr que Mario White, ok, moi je suis pas en train de motiver les gars pour l'infidélité. Tout le monde sait très bien que les filles noires qui sont mariées au White, elles ont toujours un gars du Co à côté. Bon. Avant, moi, je n'étais pas dans cet esprit-là, hein, d'avoir un gars du coup à côté, tout ça. Moi, j'étais moi bien tranquille. J'étais dans mon coin, je gérais moi doucement là-bas, non, avec le white. Un jour comme ça, là aussi, ah, comme mes copines, elles viennent toujours me parler de leur gars du coup, tout ça là. Je ne vais pas dire que c'est les copines qui m'ont poussé, quoi. Après, moi aussi, je suis tombée derrière un gars du coup, qui m'a fait voir, quoi, le voir le feu. C'est vrai que moi, je ne suis pas facile à vivre. Hein. Honnêtement, je ne veux pas mentir. Parce que une gars, ici en Beng, c'est que quand une gars. Tu sais que ici en Beng, en fait, la vie est plus. Il y a plus de possibilités pour les gars de réussir. En fait, d'avoir un peu. Enfin, que les hommes, quoi. Parce que bon, une gars, même si elle n'a plus l'aide de la terre, hein, il y a seulement un Joe qui va lui parler. Tu vois, il ne va pas manquer où dormir. Il ne va pas manquer de quoi manger. C'est un peu ça, quoi. Pour les jongleuses comme nous, là. Genre que tu n'es pas venu pour faire l'école, tu es venu en aventure. Donc, ça fait que ce n'est pas facile. Bon, ce que je voulais dire, c'est que les gars camés ici, là, ils prennent vraiment les filles qui sont ici en Europe comme des poubelles, quoi. Comme des moins que rien, franchement. Tu prends un gars, hein, c'est pas parce que tu as pitié de lui, parce que l'amour naît au fur et à mesure que tu vis avec quelqu'un et tout. Tu le prends, tu le soutiens dans ce qu'il veut faire. Toi aussi, tu te dis que, ah,
comme tu avais le droit, peut-être un jour tu vas finir ta life avec lui, non? Tu le soutiens, tu lui dis que bon, il respecte aussi ton mari, tu. Voilà, parce que c'est lui qui est peut-être libre et tout. Après, demain, c'est lui qui te prend, il te met au marché. D'abord, ça commence comment? Tu avais le gars, tu le respectes, tu le soutiens dans tout ce qu'il veut faire. Après, quand vous avez un peu les moindres soucis, il part. Il parle de toi, il te sabote, il te sabote. Vous trouvez que c'est normal ça? Franchement, que le gars, il te sabote. Une fille, vous avez vécu ensemble, il part, il te sabote. Il te sabote, il cherche seulement à détruire ta vie. Tu vois, les choses comme ça, c'est pas bien. Hein? Nous aussi, on veut être avec les gars noirs. Tu vois, souvent les gars noirs, vous respectez les whites plus que nous, vos soeurs. Quand même, vous respectez les whites, vous leur donnez le respect qu'il faut. Parce que des fois, je vois les gars, quand même, là, ils sont là, tu les vois en train de pousser la poussette comme ça, là. La poussette comme ça, et la femme blanche à côté, une grosse femme comme ça, elle est là. Il est là, il pousse la poussette, l'enfant pleure. Quand il te voit, ta soeur, il regarde comme ça. Mais s'il est avec toi, il ne va pas faire ça. Il est avec la blanche, c'est elle qui gère la carte bleue. C'est elle qui gère tout. C'est elle qui gère ceci. Mais quand c'est toi, ta soeur, il commence à dire que il veut commencer à vouloir trop te parler fort. Hein? Il veut commencer à dire pourquoi. Quand il avait la ouate là-bas, il changeait les couches de l'enfant. Il cuisine, il mange, il débarrasse. Mais quand il est avec toi, c'est toi qui débarrasse. C'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais ceci. Il veut toujours faire vivre les histoires du pays là aux gens. Franchement, il faut respecter les filles. Les gars, Kamel, ici, là, il faut respecter. Franchement, respecter nous. Nous sommes vos soeurs. Vous êtes dehors. Hein. Vous voulez jouer aux donnes. Nous-mêmes, nous sommes des donnes, gars. Honnêtement, nous sommes des donnes. Maintenant, comme vous voulez, vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous êtes trop sage. Vous avez une fille, vous tournez les, vous partez chercher une autre fille, peut-être au co. Soit disant que celle qui est ici, là, les camions, c'est l'autoroute. Vous serez à passer dessus. Non. C'est pas parce qu'on est une donne, gars, que. Ça veut dire qu'on a connu beaucoup d'hommes. Non. Les filles comme moi là, qui ont la gueule, qui ont la bouche là, elles sont très sérieuses hein, quand elles sont avec un gars. Moi, j'ai 35 ans. J'ai eu 35 ans là, le 9 septembre, que j'ai eu 35 ans. Et j'ai mon fils qui a 18 ans, hein, mon fils unique, il a 18 ans. Et moi, quand on me voit, l'apparence est trompeuse. Hein, même quand je passe, hein, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je passe pas inaperçu. Hein, quand je passe, il y a tous les gens qui se tournent pour regarder et tout. On croit peut-être que, ah, ça, c'est une star et tout. Non. C'est parce que tu vois, c'est ma façon, voilà, c'est comme ça que je suis. Bon, moi j'attire beaucoup l'attention et tout. Moi je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que moi, jusqu'à mon âge là, à 35 ans, honnêtement, j'ai connu que trois hommes dans ma vie. Trois mecs, hein, honnêtement. Parce que je dis bien trois. Donc un gars qui est avec moi, il se lève là, il va dans un milieu, peut-être à Paris, dans le milieu des Africains, dans les soirées. Je vous assure qu'il n'y a pas un gars qui va lever la main, qui se sortit avec la fille là. Il n'y a aucun ici à Lille. Il y a combien d'années? Plus de 13 ans, je suis ici à Lille. Et dans cette ville, j'ai eu seulement une relation avec quelqu'un qui a duré que 2 mois en 2011. En dehors de ça, jamais. Aucun va dire que je suis sortie avec la fille là, je suis sortie. Non. On va parler que, oh, ceci, c'est ça. Mais quelqu'un a vu mon caleçon. Non. Donc ça s'appelle le respect. Vous voyez, il y a des choses que si je veux faire, je veux partir dans le milieu des Watts. Je veux faire ça. Mais quand j'arrive là, il y a mes frères. Respect, quoi. Vous comprenez un peu, non? Respect. Donc nous aussi, on veut que les gars noirs viennent comme ça vers nous, sérieux. Bien sûr que ici en Benin, nous les filles, on encourage souvent certains gars à être paresseux. Un gars peut venir vers toi, hein, vraiment parce qu'il est sincère et tout, il veut vraiment être avec toi. Tu arrives, tu commences à vouloir trop lui montrer qu'il y a les dos, trop lui montrer que la vie est facile, tu vas beaucoup l'aider, machin, tout ça. Tu vois, ça fait que le gars devient paresseux. Mais ce n'est pas tous les gars qui acceptent ça. Ce n'est pas tous les gars qui acceptent qu'ils restent à la maison, ils zappent la télé, ils regardent la chaîne de foot toute la journée. Après, ils sortent, ils vont rester au Parlement, faire les commentaires. Le soir, ils rentrent, que tu as préparé, ils mangent, ils finissent. Le soir, ils finissent son oui. Après, ils ressortent ainsi de suite. Non. Moi, il y a des gars qu'ils ont war avec un gars. Qu'il arrive ici, c'est que j'ai war avec mon gars. Et c'est ce gars-là avec qui il va avancer. Même si l'anga est devenu quoi, il va avancer avec l'anga. La confiance. La confiance, les gars, arrêtez de nous traiter. Arrêtez de traiter les filles de tout et de rien. Pardon, ne regardez pas mes doigts, ne regardez pas les mains et tout. Pardon, ne regardez pas. J'ai un peu mon lait fini. Donc, arrêtez de traiter les gars de tout et de rien. Vraiment, nous aussi, on veut être avec un gars du pays. Mais nous sommes fatigués aussi des coups de poing. Nous sommes fatigués des bosses là. Qu'un gars, dès qu'il fait ça, bien sûr qu'on a la bouche et tout. Mais est-ce qu'un gars va venir là que. Moins de choses, il tape seulement. Moins de choses, il te tape seulement. Est-ce que c'est normal?
On ne peut pas discuter sans coup de poing. Un gars qui veut te parler, il veut te prouver qu'il peut aussi au pays te doter. Non, où est le problème? Même si c'est que c'est toi qui vas contribuer, vu qu'il aille te doter. Tout le monde rêve du mariage, honnêtement. Donc, franchement, vous les gars, là, vous êtes là. Quand vous partez dans les soirées, ici en Benin, il y a les soirées, non. Mais ce sont les filles qui financent les soirées, là. Si les gars décident qu'elles ne viennent plus, les filles de dehors, là, les donnent, là. Si elles décident qu'elles ne viennent plus dans les soirées, les gars, là, vont faire comment? Mais nous, nous sommes toujours là, on vient dans vos soirées. Quand on vient dans vos soirées, on dépense, on finit de dépenser. Vous nous insultez encore, vous mettez sur ça. Est-ce que c'est normal? Non, mais franchement, est-ce que c'est gentil que vous faites ça? Hein? Est-ce que c'est gentil qu'une fille ait fini de financer la soirée, partage, et qui paye tout, tout, tout? Tu vas t'asseoir devant tes amis, tu la sacs, tu l'insultes encore. Est-ce que c'est normal? Non, respectez-nous aussi. Nous, on a besoin du respect aussi. Hein? Franchement, il faut arrêter. Quand ça va les femmes rebeux, là, vous respectez. Quand ça va les Watt, vous respectez. Mais nous, les Camerounais, vos soeurs, vous ne nous respectez pas, même un peu. Vous ne nous respectez pas. Pourquoi les mariages ici, là? Pourquoi le mariage se gâte vite ici, là? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas patients? Nous aussi, on veut patienter. Nous aussi, on veut patienter. Il n'y a pas un mariage qui est facile ici dehors. Il n'y a pas un mariage qui est facile. Tout, c'est le dialogue. Mais vous voulez seulement. Non. Parce que votre soeur, elle ne va jamais dire qu'elle va porter plainte comme la White. C'est pour ça que vous faites ça. Oui, c'est pour ça que vous faites ça. Moi, je n'encourage pas les filles, hein, que. Dès que tu as un problème avec ton gars, tu cours seulement au nien. Non, c'est pas bien. Mais si le gars va déjà te prendre ta vie, tu appelles les niais. Ne manque pas, tu appelles les niais. Il fait ce qu'il a, tu appelles les niais. Oui, c'est pas que moi, je tu appelles les niais et tout. Donc, vraiment, je ne vais pas trop bavarder. Vraiment, les gars, quand même, nous, on vous y a, on vous kiffe. Hein? On vous kiffe. Même moi, la big récessie. Moi, j'avais déjà juré plein de fois que les caméras, c'est fini, mais surtout derrière. Il y a un là que. Ouais, que peut-être c'est là-bas que ma mort va même venir. Il fait n'importe comment, il se trouve derrière. Ça finit aujourd'hui, ça commence demain. Ça finit aujourd'hui, ça commence demain. Moi, je suis là fatiguée, je suis même là, non. Pardon, parlons de ça comme ça, là. Ouais, mes lunettes, non. C'est lui qui m'a offert. Il m'a tapé, il m'a encore offert le cadeau. Est-ce qu'on jette? J'ai pris, non. Sur ça, là-bas au Parlement, je vous embrasse, hein. Hein? Mais regarde du state, là. Vous savez que, même ici en Benin, on rêve du state, non. Parce que 50 minutes, ça a été fin, là. Quand il monte le state, non, il monte seulement le rêve. Que dès que tu arrives là-bas, tu deviens seulement multimilliardaire. Dès que tu arrives là-bas, ta vie donne seulement et tout. En passant, je voulais aussi faire un petit coucou là à tout le monde, à tous les Sankaolo, tous les Ngundis. Moi, je suis une ancienne Ngundiste. Et il y a la petite là du Canada. Quand je dis petite, c'est juste que peut-être tu as une petite soeur, je suis sûre, qui a parlé des papiers. Oui, mais même quand on est étudiant, hein, si tu ne vas pas à l'école, on ne te donne pas les papiers. Tu vas, tu t'inscris à l'école, tu fais ton année normalement et tu renouvelles tes papiers par rapport à tes notes. C'est comme ça. Donc, je continue toujours à insister parce que je sais de quoi je parle. Je continue toujours à insister en disant aux filles, camées, aux sœurs, que l'argent là, ça ne fuit pas. Quand tu as tes kaoloé, tu peux monter, descendre comme tu peux, veux, tu peux chercher ton argent comme tu veux. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir ses papiers. Et j'ai compris que dans ce pays, pour qu'un Camer qui a les papiers donne les papiers à un Camer qui n'a pas de papiers, c'est trop compliqué. C'est trop dur. Tout le monde en dedans, la famille, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous êtes né avec les papiers là. Vous allez mourir, vous allez laisser les papiers. Non. Donnez aux autres. Si vous avez les papiers, donnez aux autres. Pourquoi? Pourquoi entre nous, ça va être difficile comme ça? Hein? Pourquoi on ne peut pas prendre l'exemple de certains pays là, qu'ils font comment ils sont toujours ensemble? Vous allez voir un Nigérien qui est marié, un Camerounais, c'est rare. Ou bien une Congolaise qui est mariée. Ils sont entre eux. Pourquoi nous, les Camerounais, on peut aussi prendre l'exemple là? Se marier entre nous, se soutenir. Moi, je suis pourquoi on se marie entre nous. Hein? Je ne vais pas mentir. J'ai là trop parlé. En passant, je ne suis pas une fille célibataire. Je suis une femme mariée. Et voilà, j'assume mon statut de femme mariée. Même si c'est une djoum-djoum là dehors que monte et descend là, c'est pas grave. C'est moi qui sais comment je gère ma maison. Ok. Je vous embrasse très fort. J'embrasse toutes les filles du Parlement. Ayez le courage de vous exprimer. Que j'ai parlé bien ou mal. Vraiment, si ça ne vous plaît pas, passez seulement. Ne vous arrêtez pas à m'insulter et tout. S'il vous plaît, je suis une fille timide. La coche, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais pour coche, je suis aussi coche parce qu'il ne faut pas un diplôme. Oui, il ne faut pas un diplôme pour coche. Tout le monde sait coche. Là-bas, dans mon quartier, le Parlement, c'était au Mangui. Donc. Et moi, je vais demander aux enfants ici en Benin, il faut respecter vos grandes soeurs. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai grandi, j'ai une éducation qui est au quartier. Tout le monde peut t'envoyer aller écraser les condiments. Tu cours.
On t'envoie chez Marguerite d'acheter pain au chocolat, tu reviens, va m'acheter au sucre. Tu es content même, tu cours, tu peux pas faire ça. Aujourd'hui, il n'y a plus le respect là, c'est fini. Ou c'est quoi qui a fait ça? Est-ce que la reine me connaît ou quoi? Je vous embrasse, non. Moi, j'avais un peu le temps là à perdre. J'ai dit que, ah, je peux faire perdre ça avec vous, non. Comment on m'a chassé là-bas à Facebook? J'espère bien aussi, c'est là chez le Big Waman, non. Je prends les conseils. Moi, si tu me gifles maintenant sur la joue gauche, non. Je donne la droite, tu gifles encore dessus. Bisous. Bisous, Waman.